السلام عليكم، معكم الأستاذ جلال الصامت من أكاديمية الجهوية العيون الصقيع الحمراء، مديرية الإقليمية العيون. إذا إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا أن إكزارسيس دابليكاسيون سور ليتود سينيتيك دون ترانسفورماسيون كيميك. هذا الإكزارسيس كيخص السنة الثانية بكالوريا علوم رياضية فرنسية والسنة الثانية بكالوريا علوم فيزيائية فرنسية. Alors, notre exercice, c'est l'étude cinétique d'une transformation chimique. L'étude cinétique d'une transformation chimique. Alors, l'énoncé de l'exercice, on va lire l'énoncé de l'exercice. L'eau oxygénée commerciale est une solution aqueuse de peroxyde d'oxygène utilisée comme désinfectant pour des plaies, pour l'entretien des lentilles de contact ou comme agent de blanchiment. Le peroxyde d'hydrogène est capable, dans certaines conditions, de réagir sur lui-même, c'est-à-dire de dismuter selon l'équation de réaction suivante. 2H2O2 nous donne H2H2O plus O2. Réaction 1. Cette réaction est lente et totale. Alors, les caractéristiques de cette transformation. À température ordinaire, mais sa vitesse peut être augmentée en présence d'un catalyseur. Alors, dans un bécher, alors l'expérience, dans un bécher en mélange, le volume V égale à 10 ml de la solution commerciale d'eau oxygénée de concentration 7,3 × 10⁻³ avec 85 ml d'eau. À l'instant T égale à 0 seconde, on introduit dans le système 5 ml d'une solution de chlorure de fer. Alors le rôle du chlorure de fer, c'est un catalyseur, ça veut dire pour augmenter la vitesse de la réaction. Alors la première question, c'est écrire les deux demi-équations associées au couple H2O2, H2O, O2, H2O2, intervenant à la réaction de dismutation de l'eau oxygénée. Ça veut dire que ces deux couples OX-RED permettent d'écrire l'équation bilan de dismutation de l'H2O2. Alors, on va écrire ici les couples mis en jeu. Ce sont H2O2, H2O et O2, H2O2. Alors, on va écrire les demi-équations de chaque couple intervenant dans l'équation bilan. Alors, H2O2, H2O. Alors, pour écrire les demi-équations, H2O2, H2O. Alors, on va équilibrer l'atome d'oxygène avec l'H2O. Comme vous voyez ici, deux atomes d'oxygène, ici un seul atome. Alors, on va multiplier ici par 2. Alors, il nous reste ici 4 atomes d'hydrogène, et ici seulement 2. Alors, pour équilibrer l'hydrogène, on utilise les ions H+, car le milieu, il est acidifié. Alors, on va ajouter 2 ions H+, plus 2 électrons aussi, alors qu'il y a 2 charges. Pour la deuxième couple, c'est O2, H2O2. Alors, H2O2, c'est un réducteur qui permet de donner O2. Alors, H2O2, O2. Alors, pour équilibrer cette équation, on a ici deux atomes d'oxygène, ici aussi deux atomes d'oxygène, ici deux atomes d'hydrogène, ici il n'y a rien. Alors, on doit ajouter deux ions H+. Alors, pour charger, pour équilibrer les charges, alors on ajoute ici deux électrons. Alors, ce sont les demi-équations du couple H2O2, H2O et O2, H2O2 permet d'écrire l'équation bilan. Alors, si on écrit l'équation bilan, H2O2 plus H2O2, c'est 2H2O2. Ici, 2H+, pour les réactifs, et ici, 2H+, pour les réactifs. Et ici, 2 électrons aussi pour les réactifs, et ici, 2 électrons pour les produits. Alors, on doit simplifier. Alors, on nous donne quoi? 2H2O plus O2. Alors, ça, c'est l'équation bilan de dismutation de l'eau oxygénée. La deuxième question, c'est de dresser le tableau d'avancement de la réaction de dismutation. Ça veut dire,
cette transformation chimique en fonction de C, E, V et X. Ça veut dire qu'on va utiliser les quantités de matière pour dessiner le tableau d'avancement. Alors, la deuxième question, tableau d'avancement. Tableau d'avancement. Alors, le tableau d'avancement, comme vous avez déjà vu, de cette transformation chimique, c'est de H2O2 plus, nous donne O2 plus 2H2O. Alors, un tableau d'avancement simplifié seulement. Alors, X égale à 0, l'avancement. X et X max. Ça, c'est l'avancement. Alors, la réaction, c'est 2H2O2 nous donne 2H2O plus O2. Alors, ça, c'est la transformation chimique utilisée. Alors, la quantité de matière de H2O2 utilisée est de concentration C et de volume V. Alors, la quantité de matière, c'est C fois V. Alors, à l'instant, à l'état intermédiaire, c'est C fois V moins X. Alors, la quantité de matière est diminue de, c'est pas X, alors on doit ajouter le coefficient stoichiométrique 2X. Et C fois V moins 2X max. Alors, pour la quantité de matière de l'H2O, alors comme vous voyez, l'H2O il est utilisé en excès. On peut ajouter en excès. Oui, ici c'est 0, X et X max. Alors, ça c'est le tableau d'avancement de cette transformation chimique. Le tableau d'avancement de cette transformation chimique de dismutation de H2O2. La troisième question de notre exercice, c'est d'exprimer la concentration effective de H2O2 à une date T. Ça veut dire à une date T, ça veut dire à l'état intermédiaire en fonction de C et X et V total. V total, c'est quoi? C'est le volume total du mélange réactionnel. Ça veut dire le volume global de cette transformation. Alors, comme vous voyez, le mélange contient 10 ml de solution commerciale et 85 ml d'eau. Pour cela, on utilise en excès. Et 5 ml d'une solution de chlorure de fer. Ça, seulement, c'est un catalyseur aussi, comme on a déjà vu. Alors, la question 3, c'est d'exprimer la concentration de H2O2. La concentration de H2O2 à l'état intermédiaire. La concentration. La concentration de H2O2 à un instant T. Alors, à un instant T, la quantité de matière de H2O2, c'est quoi? C'est C fois V moins 2X. Moins 2X. Alors, la concentration, comme on sait, on a que la concentration de H2O2 à un instant T, c'est la quantité de matière de H2O2 à un instant T sur le volume total. Alors, la quantité de matière de H2O2, c'est quoi? C'est C fois V moins 2X. Alors, la concentration de H2O2 à un instant T égale à C fois V moins 2X sur le volume total. Alors, ça, c'est la concentration, d'exprimer la concentration de H2O2 à un instant T en fonction de C et V et l'avancement X et le volume total. Alors, maintenant, on va suivre cette transformation chimique avec une méthode. Exploitation des résultats d'une méthode de suivi.
Alors, la méthode de suivi employée a permis de déterminer la concentration effective H2O2 et de tracer le graphe suivant. Alors, comme on sait, il y a plusieurs méthodes de suivre une transformation chimique. Alors, par exemple, on va suivre cette transformation par mesure de la concentration en fonction du temps, peut-être par dosage de H2O2. Alors, la concentration de H2O2, comme vous voyez d'après la courbe, elle diminue, la concentration diminue au cours du temps. Alors, pourquoi? Car H2O2, c'est l'un des réactifs. Alors, la concentration de H2O2 diminue au cours du temps jusqu'à atteindre la valeur zéro. Alors, la courbe d'évolution temporelle de la concentration effective de peroxyde d'hydrogène. Alors, la question, c'est quoi? Alors, on va exploiter cette graphe. Alors, montrer que la concentration effective de H2O2 à l'instant T égale à T1,5 s'écrit, c'est H2O2 à l'instant 1,5 égale à 1,5 C fois V sur V total. Alors, on va d'abord définir c'est quoi T1,5. Alors, T1,5, c'est le temps de demi-réaction. Le temps de demi-réaction est la durée nécessaire pour que l'avancement atteint la moitié de sa valeur finale. Alors, ça, c'est la définition de T1,5, le temps de demi-réaction. Alors, on va démontrer cette relation, la concentration de H2O2 à l'instant T1,5 égale à 1,5 C fois V sur V total. Alors, la question 4. Alors, à T1,5, x1,5 égale quoi? X max sur 2. Cette transformation, elle est totale. Alors, x max sur 2. Alors, c'est combien x max? Alors, on a un seul réactif ici. Alors, comme vous voyez, c'est H2O2. Avec H2O2, le réactif limitant. H2O2, le réactif limitant. Ça veut dire que x max égale combien? C'est la quantité de matière sur le coefficient stoichiométrique. Alors, c'est C fois V sur 2. C fois V sur 2. Alors, on remplace dans la valeur de x1,5. Alors, x1,5 égale à C fois V sur 4. Alors, la concentration de H2O2 à l'instant T1,5 égale, on va remplacer dans cette relation X par X1,5. C'est C fois V moins X1,5 sur 2X1,5 sur le volume total égale C fois V 2X1,5 de C fois V sur 4 sur le volume total. Alors, même dénominateur ici, alors c'est 2C fois V moins C fois V sur 2. Alors, c'est 1,5 C fois V sur V total. Alors, ça, c'est la concentration de H2O2 à l'instant T1,5. Alors, nous pouvons calculer cette valeur, c'est 1,5 C fois V sur V total. Alors, on va calculer la valeur de la concentration de H2O2 à l'instant T1,5. C'est 7,3 10 à la puissance moins 1 fois le volume V, c'est 10 millilitres. 10 à la puissance moins 3, il faut la convertir. Sur le volume total, alors le volume total, c'est 10 plus 85 plus 5 millilitres, alors égal à 100 millilitres fois 10 à la puissance moins 3. Alors, on va trouver la valeur de T1,5, c'est 0,0365. Alors, c'est 3,65 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Alors, ça, c'est la concentration de H2O2 à l'instant T1,5.
Alors, le calcul de la concentration de H2O2 à l'instant T1/2 permet de quoi? Permet de déterminer l'instant T1/2. L'instant T1/2. Alors, ça, c'est la démonstration de la relation. Déduire la valeur de T1/2. Déduire la valeur de T1/2. Alors, on va déterminer T1/2, comme vous savez, c'est graphiquement. Alors, d'après le graphe, la concentration de H2O2 à l'instant T1/2, c'est 3,65. 3,65. Alors, graphiquement, 3,5 ici, à peu près 3,65. On doit projeter sur la courbe. Ce n'est pas sur la tangente. Alors, on projette sur la courbe. Alors, on va trouver à peu près. Ici, à peu près, c'est 12,5 minutes. Alors, la question en 4. Graphiquement, T1/2 égale à 12,5 minutes. Alors, ça, c'est la valeur du T1/2 graphiquement. Alors, la question 3-4, l'avant-dernière question, c'est de montrer que la vitesse volumique de la réaction s'écrit sous la forme de V égale à moins 1/2 fois la dérivée de la concentration de H2O2 par rapport au temps. Et la dernière question, c'est de calculer la valeur de V à cet instant, à l'instant T égale à 0. Alors, la question, c'est de déduire, de vérifier la relation de la vitesse volumique. Alors, la vitesse volumique d'une transformation chimique est donnée par la relation suivante. Alors là, 3, 4, la vitesse volumique. Alors, la vitesse volumique. Alors, la vitesse volumique, comme on sait, on a V. La vitesse volumique, il est défini par la relation suivante. C'est 1 sur V total fois la dérivée de l'avancement X par rapport au temps. La dérivée de l'avancement X par rapport au temps. Alors, à partir de cette relation, on va démontrer la relation entre la vitesse est la concentration de peroxyde d'hydrogène, c'est H2O2. Alors, la relation reliant X et la concentration de H2O2 à l'instant T, ça, c'est la relation vérifiée dans la question 3. C'est la concentration de H2O2 à l'instant T égale à C fois V moins 2X sur le volume total. Alors, d'après la question 3, la concentration de H2O2 égale à C fois V moins 2X sur le volume total. Alors, on va dériver cette relation pour déterminer la dérivée de X sur 2 de T. La dérivée de H2O2 sur D de T égale, c'est la dérivée de cette fonction, c'est D sur D de T de quoi ? De C fois V moins 2X sur le volume total égale. Alors, le volume total, elle est constante. On peut la sortir de la dérivée. Alors, c'est 1 sur V total. C'est la dérivée, il nous reste quoi? C'est C fois V moins 2X. C fois V moins 2X. C fois V, c'est une quantité de matière qui est constante. C'est la quantité de matière initiale. Alors, leur dérivée, elle est nulle. Alors, il nous reste quoi? C'est la dérivée seulement de quoi? De moins 2x. Alors, D sur 2 de T, de quoi? De moins 2x. Alors, ça, c'est la dérivée par rapport au temps. La dérivée par rapport au temps. Alors, égale. La dérivée de moins 2x sur 2 de T, c'est moins 2
sur V total fois D de X sur D de T. Alors ça, c'est la dérivée de la concentration de H de O2 sur D de T. Alors à partir de cette relation, comme vous voyez, alors 1 sur V total D de X sur D de T, ça c'est la vitesse. Ça c'est la vitesse volumique. Alors nous pouvons écrire que la concentration de H de O2, alors la dérivée de la concentration de H de O2 à un instant T égale, alors la concentration de H de O2 à un instant, la dérivée de la concentration à un instant T égale moins 2 fois quoi? Alors c'est quoi 1 sur V total fois D de X sur D de T? 1 sur V total D de X sur D de T, elle correspond à la vitesse volumique. Alors c'est moins 2 fois la vitesse volumique. Alors à partir de cette expression, alors la vitesse volumique égale moins 1 demi fois la dérivée de H de O2 sur D de T. Alors ça c'est l'expression demandée. Alors comme vous voyez, ici moins, on trouve ici moins. Pourquoi? Car la concentration de H de O2, elle diminue au cours du temps. Diminue au cours du temps. Pour cela, le coefficient directeur de la tangente est négatif. Alors, ça représente le coefficient directeur de la tangente à un instant t. Alors, puisque c'est une fonction décroissante, alors leur dérivée sera nulle à chaque instant. Alors, moins avec le moins, pour cela, il nous reste la vitesse volumique est toujours positive. Alors, la dernière question, c'est de calculer la valeur de V à l'instant T égale à 0. Calculer la valeur de V à l'instant T égale à 0. Alors, 4. Alors, la valeur de V à T égale à 0. La valeur de V à T égale à 0. Alors, la dérivée de H de O2 sur D de T, alors ça c'est le coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur de la tangente. Alors comme vous voyez ici, alors la tangente, elle est donnée. On donne la tangente dans l'exercice. Alors ça c'est la tangente delta. La tangente à un instant T égale à 0. Ça c'est la tangente de la courbe à l'instant T égale à 0. Alors ça c'est le coefficient directeur de la tangente à t égale à 0. Alors V à l'instant t égale à 0 égale moins 1 demi fois. Alors pour déterminer le coefficient directeur, graphiquement, on prend deux points. Alors les deux points. Par exemple, point initial, c'est 7,3 10 à la puissance moins 2. Leur abscisse, c'est 0. Alors, 7,3 10 moins 2, leur abscisse, c'est 0. Alors, nous pouvons prendre 3, ici, 3 10 à la puissance moins 2, à peu près 3,25, c'est 10 minutes. Alors, ce point, 3,25 10 moins 2, c'est 10 minutes. 3,25 10 moins 2, c'est 10 minutes. Alors, la vitesse à l'instant t égale à 0, leur valeur, c'est 2,02 10 à la puissance moins 3. Alors, l'unité de la vitesse volumique, elle est nécessairement d'écrire les unités en physique. Alors, l'unité de la concentration, c'est en mol par litre. Et l'unité de la date t dans la courbe, c'est minute. Alors, ici, en minute. Alors, l'unité de la vitesse volumique à un instant t, c'est mol par litre fois minute. Alors, ça, c'est
la valeur de la vitesse à l'instant t égale à 0. Alors, comment évolue cette vitesse au cours du temps? Comment évolue la vitesse volumique au cours du temps? C'est une vitesse volumique. Alors, comme vous voyez que la concentration de H2O2 diminue au cours du temps. Et aussi, le coefficient directeur de la tangente aussi diminue dans ce cas. Alors, la vitesse volumique d'une transformation chimique, elle diminue au cours du temps. Pourquoi? Alors, car la concentration de réactifs, de l'un des réactifs, puisque ici il y a seulement un seul réactif, alors, car la concentration de l'un des réactifs diminue au cours du temps. Et la concentration de l'un des réactifs, c'est l'un des facteurs cinétiques qui influent sur l'évolution de la vitesse volumique. Alors, pour cela, la vitesse volumique d'une transformation chimique, alors de cette transformation chimique en général, diminue au cours du temps. Inch'Allah, quand on s'amène à la cinétique chimique, Inch'Allah, on va voir notre exercice, notre application. Et merci.